million cars. Last, last, now everybody go to our breakfast. Shayo. Vous voyez pas, mais elle m'aime tellement d'amour. Salut les loulous. Bonjour mes papis. Moi c'est Oreo. Et je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Lundi 3 juillet 2023. Nouvelle semaine, nouveau mois. On commence fort les gars. Je reviens de la salle, honnêtement. Depuis que j'y vais 4 fois par semaine, je compte les jours, carrément. Je me sens tellement bien. Premier jour. Honnêtement, j'ai peut-être ça. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que j'ai un rendez-vous pour une épilation laser. Depuis le temps que je voulais le faire, c'est le meilleur moment parce que j'ai l'intention de me mettre en bikini. C'est l'intention de partir en vacances et les poils, c'est bon. J'en ai marre. On est entre nous. Entre le rasoir, la cire, c'est bon. Et j'en ai marre de souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc, bon là, il y a mon petit chat qui rentre. Tu vas dire bonjour. Tu sais ouvrir les portes, dis donc. Bonjour mes papis, moi c'est Oreo et je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais me laver parce que ça sent, je sors du sport. On va se préparer, je pense que j'en ai pour une bonne heure de route. Donc je vais me dépêcher parce que hors de question d'arriver en retard. J'aime pas arriver en retard, surtout quand j'ai des rendez-vous. J'avoue qu'en c'est entre potes, je me mets un peu à l'aise. Mais comme dans le rendez-vous, j'ai trop besoin d'être ponctuelle. Donc let's go right now. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que la semaine dernière ça n'allait pas du tout. Que dis-je, les deux dernières semaines j'étais en totale dépression. Je me réveillais le matin, je me recouchais. Oui, c'est-à-dire que je dormais toute la journée. Je n'allais pas bien. Et je pense qu'il faut en parler. C'est pas toujours tout beau, tout rose. C'est même pas le fait que je sois au Canada ou le fait que je déménage toute seule. On a tous des moments de doute. On a tous des moments down. C'est ok, ok. C'est tout à fait ok. Donc je vous envoie tout mon love, mes babies. On va y arriver. Si vous n'allez pas bien, écrivez-moi. Honnêtement, qu'on discute. Parce que je sais combien c'est dur. De base, je suis quelqu'un qui fait énormément de crises d'anxiété, de crises de panique. Je suis une personne très stressée. Ça, c'est un truc dont je parlais souvent avant sur mes réseaux sociaux. Ces derniers temps, ça allait mieux. Mais quand je vais pas bien, je le dis toujours. Et j'ai toujours des petites techniques pour essayer d'aller mieux. Ces deux dernières semaines, j'avais pas du tout de force de me remettre d'aplomb. Donc je me suis juste laissée aller mal. Et je peux pas vous dire que c'est fini en fait. Parce qu'à chaque fois que je fais ça, je fais ouais, nouvelle semaine, ça ira mieux. Mais je sais pas si demain ça ira mieux. Donc on va prendre au jour le jour. Aujourd'hui il fait beau. Donc premier bon point, j'ai fait mon sport. J'ai prié. Et on a un truc cool à faire. Donc que demande le peuple? C'est parti mon kiki. Vous voyez pas mais elle m'aime tellement d'amour. Hein ma pupuche. Elle déchire tous mes vêtements. On va allumer les bougies. Est-ce qu'on est belle tout ça? Très charismatique. Je suis trop contente. Là, on a fait le premier rendez-vous. J'ai signé les petits documents avant de commencer les séances. On a discuté pour voir ce qu'il me fallait. Et demain, je reviens pour le test sur la peau. Honnêtement, genre, je suis tellement excited. J'ai trop hâte. Non, je vous jure, cet été, it's gonna be me, it's gonna be us, nous sur la plage. Honnêtement, j'ai toujours été super complexée par mes poils, donc today is the day. J'ai l'impression que je suis en train de grandir, de devenir une adulte juste pour ça. Donc je suis super contente de me débarrasser. Je vais rentrer à la maison faire 2-3 courses et sûrement faire du montage. Waouh, bonjour en fait, j'ai complètement oublié de vous prendre. On est mercredi et on est back avec mon petit trépied pour le laser. Attendez, je vais vous montrer mon outfit because what who am I? Salut. Mais toi j'aime trop les petites bougies, ça sent trop bon, trop bon. Drake toujours, toujours. Oh, il le sait juste pas. Pas encore, mais vous inquiétez pas. Bientôt. Il manque juste sa signature en fait. Sur le papier. Ne vous inquiétez pas, on va aller le chercher là. Dans 10 jours, on va aller le chercher. Salut les loulous. Hello mes babies. C'est les babies. Ouais, mes babies. En fait, normalement, c'est les babies. Ok. Mais j'ai un vieil accent français. Je sais très bien parler anglais. Non, tu sais. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, genre, j'ai du mal, j'ai toujours l'accent français. Et du coup, je dis bah, mes babies. Donc, hey les babies à Joséphine. Dis-toi eux-mêmes, ils savent pas pourquoi je les appelle babies. Maintenant vous savez.
Regardez comment on est bien accueillis. Oh my god. Ouais. Tu veux manger plus bon. Ouais, j'ai mangé ça. Tu veux rien? J'ai vraiment réfléchi, hein. Ouais. Est-ce que j'ai mangé? Sur 1 à 10, je dirais 4. Ok, parfait. Ouais, vraiment 4. Et comme je te l'ai dit, donc première séance, en fait, genre, ça va être un peu moins élevé. Ok. Et après, on va aller au fur et à mesure, mais tu auras besoin de prendre poil. Dans tous les cas, tu n'auras pas la séance. Okay. Donc ça veut dire à chaque séance, l'intensité est légèrement plus forte. Ouais. Ok. C'est à peu près tous les combien de temps? Donc pour tout ce qui est corps, c'est toutes les 6 semaines, et pour le visage, c'est toutes les 4 semaines. C'est quoi les recommandations pour juste après? Juste après, on va éviter de mettre du déodorant directement. On va attendre. Moi, je dirais qu'il faut attendre vraiment jusqu'à quelques petites heures. Tu sais, le temps que ta peau se referme, se referme, etc. Puis ensuite, pas d'exfoliation pendant les 48 heures, pas de sauna, pas de piscine, etc. Vu pendant les 48 heures, t'évites ça. Okay. Après, c'est vraiment par mesure préventive en fait. Ok, pour les douches, genre pas trop chaud? Pas trop chaud, non. Et est-ce que je peux faire du sport? Franchement, moi je te dirais attends au moins 24 heures encore. Ok. Là, pour le coup, j'ai peur. On a dit qu'il faut souffrir pour être belle. Non mais les femmes, vraiment, je comprends pas. Et ils sont même pas capables de tenir une porte. Merci à vous les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être venu chez Maison. Merci d'être venu. Est-ce que vous avez un code promo? Tu veux un code promo? Non, pas du tout. J'ai pas de code promo. Bah, venez, de toute façon, je suis en promotion. Donc 50% sur tout. Donc, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, je suis en promotion. C'est vrai? En ce moment, il y a 50% sur... Wow. Sur toutes les régions, ouais, je te jure. Bon, 50% sur tout les gars, c'est le moment. En plus, l'été, mais ça tombe trop bien. Okay. Venez si vous avez envie de venir. On va venir. Il fait tellement chaud que je porte un bikini. Je vais pas nager, c'est juste ma tenue. J'ai caché les bretelles de mon débardeur. Bon, au pire, si ça tombe, je les remettrai. Mais voilà, attendez, je vous montre mon fit. Voilà, voilà. Mais bonjour. Excusez-moi. On est jeudi 6 juillet. De toute façon, on est le 7. On est le 6. Regardez. La semaine se passe bien. En ce moment, je fais plein de TikTok pour promouvoir mes ongles. Donc, si vous connaissez pas, allez faire un tour sur findbashedfind.com. Vous avez tout. Si vous voulez coller vos ongles, bim. En mode, pas de prise de tête. Si vous préférez le gel X et fabriquer vos ongles vous-même, bim. Vous êtes servi. Et vous avez même Oreo juste derrière qui est en train de jouer. Voilà, en train de me soutenir, me dire, ouais, go maman, you did ça. Il est quand même 14h et il fait 32 degrés. Mais qui sort avec cette température là? Mais il faut absolument que je sorte parce que j'ai un petit colis à envoyer en France. Bah ça c'était dehors, mais vraiment j'ai envie de tout perdre. Vous savez, je l'ai gagné là il y a au moins 3 semaines ou 1 mois. Ça dirait de l'utiliser. Saint-Hubert, jamais allé. Today is the day, il faut absolument que j'envoie ce colis. On va aller pas à Canada Post parce que Canada Post m'a renvoyé hier. On va aller chez Puralator. Puralator. Je crois que c'est ça. Let's go! Ça va aller? Ça va aller, mon petit bébé? Tu vas me manquer. Bisous. Et on vous souhaite un bon dimanche parce que je poste tous les dimanches. Tu savais ça? Hello, mes babies! Si vous demandez ce que j'ai sur le visage, je suis en train de me faire des taches de rousseur avec du henné. Je l'ai posté en short, je l'ai posté en réel, je l'ai posté sur TikTok. Donc, normalement. Vous savez, ça a l'air de bien marcher, donc je suis contente de ma petite expérience. Aujourd'hui, il fait pas très beau. Pourtant, ces derniers jours, il y avait du soleil. J'avais espoir que l'été soit là. Mais là, il fait moche. Et il va pleuvoir encore pendant 10 jours. Donc, pour ne pas être super triste, on va se motiver. J'ai plein de contenu à filmer. Et regardez ce que je suis en train de faire. Du montage. Et c'est la vidéo de dimanche dernier que vous avez déjà vue, dans laquelle je suis super triste.
Elle est dure à monter, mais justement, vous voyez même la preuve. Je suis encore à la maison, je suis pas sortie de la journée et il est 17h. Je me suis réveillée, je me suis lavée, j'ai filmé et je suis en train de faire du montage. Je peux rester vraiment là pendant des heures. Donc, faut absolument que je me fasse violence. Là, j'ai beaucoup de boulot cette semaine, mais je vous jure, la semaine prochaine, écrivez-moi, envoyez-moi des messages. Et forcez-moi à sortir un peu parce que je vais finir en dépression depuis cette vidéo-là. Je suis pas sortie, j'ai vu personne. Ah, à Paris-Med. Elle a sauvé ma semaine. De toute façon, on se voit le week-end prochain. Ça va être incroyable. Mais j'ai aussi mon examen de code. Mais c'est quand? C'est la semaine prochaine, mais je sais pas c'est quand. C'est très grave. C'est le 13. Oh, c'est jeudi. Je connais rien. Donc, faut que je révise à fond pour mon examen de code. C'est jeudi. Et ensuite, on va au concert de Drake. Vendredi prochain. And my god, it's about to be lit. Yes. Ok, donc soit je bosse à fond cette semaine. Comme ça, la semaine prochaine, je respire un peu. Le temps passe beaucoup trop vite. Arrête de courir autant, ça me stresse. Il est 14h. Oui, j'ai un autre téléphone avec ma tête dessus. Genre, j'ai deux téléphones et mes deux téléphones, je suis au fond d'écran avec ma grosse tête. Encore une fois, c'est pour me rappeler à quel point je peux dead ça, surtout quand je suis en dépression. Oh mon dieu, j'ai l'air tellement narcissique. Mais si tu ne te hype pas toi-même, qui le fera? Je suis désolée, mais qui d'autre peut se mettre en fond d'écran? Honnêtement, mon petit bob, je kiffe. Il faut absolument que je vous fasse un réel parce que c'est pas du tout mes cheveux. C'est une V-part wig. Vous savez mon amour avec les glueless wigs et les V-part wigs parce qu'il n'y a pas de lace. Vous voyez donc, là, c'est vraiment my hair. Mais juste en dessous, il y a une perruque. Et du coup, ça m'évite de lisser tous mes cheveux. On va se faire des tresses. On va acheter les mèches. Et comme ça, je vous montre si vous aussi, vous voulez vous tresser. Ou acheter les mèches et où se tresser. À Montréal. Yes. C'est vraiment chaud. Hein. L'eau à la paille, c'est tellement meilleur, guys. Et au-delà d'être superficielle, ça m'aide vraiment à boire de l'eau. À en boire plus parce que j'ai du mal en ce moment. Voilà, petite technique, c'est gratuit. Et mon make-up, s'il vous plaît, mon make-up de l'été, il est tellement léger. Les fausses taches de rousseur plus le make-up, guys, combo parfait. Je voulais poster en short, en réel, sur TikTok. Vous savez comment faire. Et vous pouvez me suivre sur Instagram. Je suis trop shy quand je dois faire ma pub en mode. Abonnez-vous sur Instagram, s'il vous plaît. Parce que je comprends pas, j'ai tellement plus d'abonnés sur TikTok, sur YouTube que sur Instagram. Je vous jure, je suis cool sur Instagram. Je poste des stories tout le temps. Vous aurez même des nouvelles de Oreo. Allez me suivre sur Instagram. En plus, vous pouvez me poser des questions. Et le mes babies. J'espère que ça va. Il fait super beau. Genre, il y a un soleil. Waouh. Aujourd'hui, on est samedi. Je sais que la semaine n'a pas été très mouvementée. Je tiens tellement à vous montrer la réalité de ma vie. Aujourd'hui, j'ai un zoom avec mon agence à midi. Dans une minute. Oui, je suis sur mon fond d'écran. Pour me rappeler à quel point je peux être belle, surtout quand je suis moche. Ensuite, je dois filmer pour TikTok. Je dois filmer pour mes faux ongles. Je dois aller acheter des mèches. Parce que demain, je me tresse. Et ensuite, il faut que je fasse du montage. On est samedi, les gars. Il y a une vidéo qui doit... Bon. Salut, tu veux dire bonjour Donc si vous demandez c'était quoi le bruit, c'était Oreo. Je vais aller chercher mes mèches, mais je dois surtout finir le montage de ma vidéo qui doit sortir demain. Mais comment ça je l'ai pas fini alors que le montage je l'ai commencé lundi? À la maison, je vais faire du montage et on se voit demain pour ma nouvelle coiffure. Bisous. Bonjour. On est dimanche 9 juillet. C'est le dernier jour de la semaine et de ce weekly vlog. Il fait super moche, mais j'ai les cheveux propres et on va aller se tresser. Hier, je suis allée acheter les mèches à Hera Beauty. C'est trop bien parce que je savais pas que ça existait et il y avait plein de produits que je cherchais et qui étaient même pas très chers. Donc si jamais vous cherchez des produits pour les cheveux, Hera Beauty, là plein, à Montréal apparemment, c'est une espèce de chaîne. Bon, c'est pas du tout ma tenue, là je suis en train de faire des vidéos transition pour TikTok, sinon ma vraie tenue c'est ça, un haut orange, vraiment trop beau, j'ai hâte de vous montrer, ce sera pour le après quand j'aurai les tresses. Et avant ça, je vais me prendre un café, ouais, j'ai trop envie d'un café. J'ai pris mon café.
j'aime vraiment. Aujourd'hui les gars, je suis avec Kiana. Oh le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, oh le vent a bien tourné. Me gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. J'appelle la reine et elle m'a dit ah. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. C'est la fin de ce vlog, mes babies. J'ai pas oublié de filmer l'outro et de vous dire au revoir. Je suis trop fière de moi, j'espère que vous êtes fiers aussi. Je dis au revoir en vrai? Oui. Non. Ok. Je viens de rentrer à la maison, au cas où vous avez pas assez vu mes tresses. Je suis trop contente, oh my god, regardez comme ça me change de tête. Je voulais me faire des tresses depuis tellement longtemps, même en France. Genre je galérais à trouver pour me tresser. Je suis trop contente et je sais que vous m'avez grave demandé où se tresser, où faire ci, où faire ça. Sachez que j'ai une story épinglée sur Instagram avec toutes les bonnes adresses. Donc pour vos cheveux, pour vos tatouages, pour vos lasers, pour vos wigs ou pour vos vêtements. Bref, j'ai mis tous les liens. Oh ma pupette, elle a sauté sur moi. Tu veux dire au revoir, Auréa? Mon petit bébé. C'est ma fifi. De toute façon, sachez que quand je filme, quand je fais à manger, elle est toujours à côté de moi. Mon petit bébé. Et elle réchauffe tellement la maison, je me sens un peu moins seule parce que vous savez que c'est pas facile d'être seule ici à Montréal et être à l'autre bout du monde. Et vivre seule tout court. Mais ça va beaucoup mieux. Je suis super contente quand je lis vos messages, quand je lis vos commentaires, genre ça me réchauffe le cœur. Donc gros cœur sur vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner sur Instagram, sur TikTok et ici. N'oubliez pas le pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et n'hésite pas à venir t'abonner sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, mes babies. Et je vous aime fort d'amour. Et prenez soin de vous. Let me hold you,